ma chère Anissa. Oui, mon cher Pierre, je sais. Pierre, Mickaël, Paul et les auditeurs d'Europe 1, je sais que vous aimez les séries. Eh bien, j'ai une nouvelle série à vous faire découvrir ce matin. C'est un tout nouveau format, très original. C'est une série à suivre sur Internet, lancée par un magazine. Ce magazine, c'est GQ, qui a lancé sa série sur YouTube et qui vous propose donc... Amateur, c'est le nom de cette série. Elle est produite par Sarah Gélin, réalisée par Ludoc, qui était le réalisateur du studio Bagel. C'est un programme très simple, Pierre. Il y a un homme, un challenge, une culture. Il y a un peu de sueur, des larmes, des rires, du cœur, du suspense. Vous allez donc suivre les aventures d'Alban Pellegrin. Alban Pellegrin, c'est un jeune homme de 32 ans. C'est un ex-candidat emblématique de Koh-Lanta, pour suivre ceux qui suivaient Koh-Lanta. Et là, il décide de partir en Thaïlande pour apprendre quoi ? La boxe thaï. La boxe française utilise les pieds et les poings. Et la boxe thaï ajoute les coudes et les genoux. C'est sans doute le sport le plus violent au monde. Alban, il a une semaine pour découvrir un sport, une culture et pour se livrer à un combat pro. Au bout des 7 jours, il y a combat pro qui l'attend sur le ring. Il doit être prêt. Les conditions de son apprentissage ne sont pas des plus sympas. Première nuit, écoutez bien Pierre, un matelas, enfin que dis-je, une couverture posée au milieu du ring de boxe avec une simple moustiquaire pour le protéger des animaux. Je pensais avoir passé une nuit compliquée. Et en fait... Mon réveil était encore pire, quoi. Je sais même pas si on peut appeler ça une nuit, en fait. Alors, c'est très dur. J'ai rien compris ce qu'il m'a dit. Ouais, on compatit. Ce défi de combattre en 7 jours, c'est aussi pour Alban. Non, mais les gens se compliquent. Mais non, vous allez voir, c'est génial. Parce qu'en plus d'apprendre la boxe thaï, qu'est-ce qu'il fait, Alban, en Thaïlande ? Il fait des rencontres très émouvantes. Avant, j'avais juste l'image de quelqu'un qui m'en faisait baver. Et là, il m'ouvre un petit peu sa carapace. Parce que Mr. Beast, c'est une carapace énorme. Mr. Beast est son entraîneur qui lui en fait baver. Alors, est-ce qu'Alban va tenir le choc ? Est-ce qu'il va relever le défi ? Est-ce qu'il va participer à ce match de boxe thaï en Thaïlande après seulement 7 jours d'entraînement ? Eh bien, vous aurez la réponse dans cette haletante et passionnante série documentaire. Mais je ne vais pas vous le dire, mais alors moi, j'ai avalé. Il y a 4 épisodes de 15 minutes, donc ça va très vite. On les avale. Hein. On n'arrive pas à s'arrêter après le dernier. Ça s'appelle Amateur. C'est lancé par le magazine GQ et c'est disponible sur YouTube. On appelle les livres qu'on ne lâche pas les page-turners. Ouais. Là, c'est quoi ? C'est les image-turners. Ouais, c'est ça, image-turners. C'est vraiment une très bonne série. Merci beaucoup.